Bonjour à tous, c'est Chad et bienvenue sur Bugland. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui le petit glitch du Cryolator. Donc, c'est une arme que vous pouvez avoir dès le début du jeu, après avoir récupéré votre caniou, et qui s'avère être très efficace, en tout cas pour le début du jeu. Donc, pour ça, rendez-vous directement à votre point de départ, donc à l'abri 111. Vous activez le petit interrupteur que vous avez pu voir dans la pièce en face et vous redescendez dans le bunker. Donc c'est une arme que vous avez pu croiser si vous avez fait attention justement à votre sortie du bunker et que vous n'avez pas pu récupérer parce qu'il faut justement être maître en crochetage de serrure. Et donc maître en crochetage de serrure, c'est normalement pas pour tout de suite. Donc c'est une arme qui utilise des capsules cryogéniques et du coup à utiliser avec modération hein, parce que ce genre de munitions c'est pas vraiment ce que vous trouvez le plus dans le jeu. Donc vous retournez au bunker, vous prenez directement la porte de gauche, donc la dernière porte par laquelle vous êtes sorti et vous allez à la pièce du fond. Voilà, donc la pièce du terminal, vous avez eu à déverrouiller et vous l'avez ici, là, vous voyez? Hop. Et là, normalement, pour le déverrouiller, il faut être maître. Donc, je vais vous montrer le petit glitch. Donc, vous avez absolument besoin de votre chien pour ce glitch. Comment Donc, vous ça va, lui mon vieux? parlez et vous Alors, mon grand, l'envoyez tu chercher, penses donc pouvoir avec trouver quelque triangle. Donc, chose pour triangle, moi? triangle, sur PlayStation 4, évidemment. Et là, vous lui demandez de chercher un objet Va voir s'il y a quelque chose carré. d'intéressant dans le coin, mon grand. Et lui va aller directement chercher donc ce qu'il trouve et ce qu'il trouve, c'est ça. Voilà, donc il le sort lui-même hein, de la structure et donc c'est pour vous. Donc vous pouvez le récupérer dès le début du jeu et je vous assure c'est vraiment efficace, Et surtout voilà. dans les premiers niveaux. Donc voilà, 20 de dégâts, une très très bonne cadence de tir, elle fait très très mal et en plus de ça elle congèle les ennemis donc très efficace, très efficace. Bah écoutez, j'espère que ce petit glitch vous sera utile et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne hein, pour la soutenir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus, ciao ciao.